chez vous. Vous allez bien? Ça va très bien. Il faut qu'on vous dise, on vous l'a déjà dit, cela dit, mais quand on est devant, on n'entend pas les applaudissements, on n'entend pas vraiment ce que dit l'autre. Alors moi, je dis toujours un truc qui n'a parfois aucun rapport avec ce qu'il vient de dire. Ah, c'est pour ça qu'on dit. Et après, elle me dit souvent, mais qu'est-ce que t'as dit à la fin? Je dis non, là, j'ai dit évidemment. Oh, ça va, ça va. Ouais. Souvent, il dit, c'est bien vrai. Oui. Ah oui, il me dit comme ça. On est avec quelqu'un qui, elle, n'improvise pas, je vais vous dire. Ah non, ça s'improvise pas d'être championne, au contraire. Non, c'est du travail, c'est du taf. Ouh là oui, c'est Mélanie. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir. 3 victoires, 4900 euros. Alors je dis ça parce que les gens se posent la question. Est-ce que la championne, quand elle rentre chez elle, elle est tout de suite dans ses encyclopédies, elle révise? Oui. Comment travaillez-vous, Mélène? Je ne travaille pas, je ne m'entraîne pas. Alors que nous, on bosse. Énorme. Nous, sur nos impros avec maman, je ne veux pas savoir. Et là-haut, pendant ce temps-là, rien. Et par contre, le brosouf, ça y va. Hein, parce que 4900... Le brosouf. Vous pourriez arrêter de m'appeler maman? Oui, bien sûr. Face à vous, Mélanie Morgan. Bienvenue, bonsoir. Vous avez 35 ans, vous êtes en couple avec Cindy, vous avez 3 enfants, vous êtes enseignant en mathématiques, vous habitez à Bourg-de-Péage, je ne connaissais pas cette ville. Oui, c'est près de Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Dans la Drôme. Vous souhaitez la bienvenue? Merci. Amusez-vous chez nous? Amusez-vous, en effet, car ici, je vais vous dire, on est là pour apprendre, mais aussi pour s'amuser. Mélanie, vous êtes entourée par Anne-Sophie Girard, regardez, la femme océan, et Damien Thévenot. Bonsoir. Et pour jouer avec vous, Morgane, on a choisi Isabelle Vitary, la merveilleuse. Et Thomas, on l'appelle juste Thomas. Thomas Hill, bien sûr. C'est quand on voit Thomas qu'il y a des îles sur lesquelles on aimerait se réfugier. Oh, ce garçon a tant de qualité. Pardon, et... regardez, on va marier Thomas et Anne-Sophie, regarde. L'océan et l'île sont faits pour se rencontrer. C'est vrai. Ah, un peu de poésie de nuit, quoi. Il y a quelque chose à faire. Ah, oui. Bonsoir. Le niveau est haut. Hein. Ou quoi que. Il y a du niveau. Le niveau de la mer est de plus en plus haut. Allez, c'est parti. Il va y avoir des noyades. Alphabet à thème. Pour vous, Morgane, le thème est « ça cartonne ». Très bien. Top, c'est parti. Avec le A à la télé, celles des Bleus font toujours un carton. Oui, audience. Merci, Thomas. Le B, ville anglaise qui cartonne, Isabelle. Liverpool. Bristol. Avec un B, c'est intéressant. Oui. Liverpool. C'est maintenant une belle main qui bat une belle paire quand on tape le carton. Thomas. Belle paire. Caridas. Merci. Voilà. J'étais sur la belle paire. Voilà. Morgane, pour vous, le D maintenant, pour un chanteur qui cartonne, récompense qui ne va pas sur les platines. Disque d'or. Oui. Thomas Le E, tel le succès qu'a connu le film Tout ce qui brille à sa sortie. Thème de succès. Tel le succès. Éclatant. Oui. Le F, jeu vidéo qui cartonne chez les ados, Isabelle. Fristies. Oui. Non. Fortnite. Oh, oui. Le G, en la remplissant, on espère faire un carton plein. Thomas. Non. Ah oui, je l'ai. Grille de l'auto. Oui. Bravo. Ah, joli. Ah. Ouais. Morgane, le H au foot, c'est un gros carton. Au basket, un bon début. Or, non. Non. Oh. Vous pas hétéro, Thomas. Hétéro. Bon. Un Holker, un Holker, oui, je pense en avoir avec vos réponses à la noix. Le fameux, le c'est 8-0. 8-0. Un Holker. Je sais pas. Moi, dire que je me suis réveillé ce matin pour entendre des trucs comme ça. J'improvise. Alors, vous avez le droit d'improviser, et nous, non. Alors, nous, on va rester comme ça. Pardon de ne pas avoir de texte. Excusez-nous. Bah oui. Non, mais on a qu'à leur donner les réponses. Faut se rebeller, faut pas se laisser faire. Oui. Ça va, il y a un moment. Ensuite, on va pas se laisser marcher sur les pieds. À longueur d'émission, monsieur Bill. On est à deux doigts de la mutinerie, moi je vous le dis. Hein. J'adore. Et sans nous, vous allez être mal. Attention, s'il vous plaît. On reprend avec vous, Morgane. On est maintenant sur un I. Top chrono. Sur les réseaux sociaux, ils sont payés pour dire ce qui va cartonner. Influenceur. Oui. Thomas Le J, moment de reconnaissance où on est à son max. Jour de gloire. Merci, je sais pas que vous avez changé de prénom. Je reviens à Thomas, le cas courant musical dont les Corées ne cartonnent pas seulement en Asie. K-pop, on l'a dit. K-pop. Oui, K-pop. C'est bon ça, hein? Mais Isabelle est plus Beyoncé que K-pop, mais elle est aussi K-pop. Vous savez que... Arrêtez, je voulais pas en parler. Ah, non, si, allez. C'est trop lourd.
Vous savez qu'elle a passé toute une soirée avec Beyoncé. Ouais. Non. Ah non, deux soirées. Deux soirées. Deux fois. J'ai un selfie avec Beyoncé. Mais en fait, les gens ne savent pas que c'est la doublure officielle de Beyoncé. Voilà. Mais le problème, c'est que Beyoncé ne sait pas non plus. Il y a quelque chose. Ah ouais, je suis doublure danse. Plus que danse. Merci. Je ne peux pas lui dire à Beyoncé. Bien. On continue, pas, c'est fini. 10 bonnes réponses, Morgane. Voilà. Mélanie, attention, avec vous, sa cartoon. Oh, c'est excellent. Bravo. Attention, c'est parti, avec le A. Ce texte a cartonné avec ses cartoons. Avril. Oui, le B, il faut un grand boom dans les cartoons. Damien. Bâton de dynamite. Oui, c'est bien d'écouter les autres. Le C, Anne-Sophie, dans les Looney Tunes. Elmer en est un qui change parfois son fusil d'épaule. Chasseur. Merci, non. Mélanie. Le D, c'est plutôt le copain que le chien de Mickey. Damien, on l'a perdu. Allez-y, Dingo. Sophie. Oui. Ah oui. Le E, dans Space Jam, Michael Jordan devient celui d'un des personnages... devient celui des personnages de cartoon, entraîneur, oui. Le F, maintenant. Popeye tient la sienne des épinards. Damien. Et la force. Oui. Ça y est. Anne-Sophie Lehage, on l'a retrouvé. Deux drôles d'oiseaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Kelly Jekyll. Ouais. Oui, Mélanie Le I, comme toutes les tentatives de Tom pour attraper Jerry. Infructueuse. Oui. Le J, Betty Boop emporte une et ça lui fait une belle jambe. Une jarretière. Oui. Le L, selon les personnages de cartoon, elle peut être bien pendante ou bien pendue. Langue. Oui. Mélanie Le M, pays où personne n'est plus rapide que Speedy Gonzalez. Mexique. Oui. Le N qualifie l'odeur de Pépé le putois. Oh, nauséabonde. Oui, Damien. Anne-Sophie Le P, il a présenté l'émission sa cartoon pendant 23 ans. Ah oui. À Philippe Dana. Oui. Oui. Le Q, telle est la question pour Bugs Bunny. Quoi de neuf, docteur? Mélanie. Neuf, oui, le R. Oui. Ce qu'a cru voir Titi. Un gros minet. Un rominet. Heureusement, vous m'avez dit rominet. Je me suis raccroché aux branches. Oui. Ah, parce que gros minet, non, c'est rominet. Oui, j'ai dit. Oui. Alors, monsieur Minet, je vais être très honnête. J'ai dit gros minet et je me suis repris, j'ai dit rominet. Mais nous l'avons noté. Merci à. C'est qui est en régie là? Il y a un huissier, grassement payé, c'est ça? C'est le bureau 81, c'est Mme Dagnon, toujours pour tout droit à droite. Merci à sa Clémence, merci madame. Merci. Non, elle s'appelle Anne-Claude, elle s'appelle pas Clémence. Oui, bien sûr, oui, oui. Ah, oh là. Fanfare. Oui. Là, vous voyez, là, il n'a pas de texte. Là, on sent qu'il n'y a pas de texte. On sent, hein. Sans l'impro. Allez, les scores, on n'a plus le temps. 10 bonnes réponses pour Morgane, 15 pour Mélanie. Le point est pour Mélanie. Bravo, Mélanie. Merci. Bravo. Et tout de suite, on part dessiner, c'est la manche de... Allez, on part dessiner avec l'équipe de Morgane. Oula, et ça se regarde, et ça se cherche, ça se renifle. Tu sais dessiner, toi? Bah non. Ouais. Thomas, je vous emmène. Je sais pas si je sais dessiner, mais... C'est l'idée, en fait. C'est la bonne idée qui nous parle. Je sais pas dessiner. Dessine pas bien. C'est ça, faites le malin tout de suite parce qu'après ça va redescendre. Ah, c'est au doigt en plus que ça se passe. C'est au doigt, vous aviez d'autres idées? Je sais pas moi. C'est au doigt. Non, à l'œil ça marche pas, Thomas, à l'œil, laisse tomber. J'ai essayé. C'est quand même la meilleure réplique de l'émission là. C'est au doigt. Bah, oui. Je sais pas, il pourrait y avoir un stylet. Non, c'est au doigt. Vous avez deux minutes, 10 mots à trouver chez vous, la première lettre de chaque mot. Bon courage. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Là. C'est là. On part de zéro quand même. Alors, une tête de mort, un crâne, un squelette. Un volcan? Un champignon? Non. Mais si, prenez votre temps. Une montgolfière. Voilà, prenez votre temps, ne paniquez. Elle est belle, maman. Ah, oula. Elle est belle, non, mais prenez votre temps quand même. Un visage, un nez, des yeux, la bouche, il n'est pas content. Un émoticône. Un double menton. Très bien. Ah oui. Bravo. Ah là, il y a du niveau. Là. C'était quoi? C'était double menton, bien sûr. Oui, oui, c'était double menton. Une amphore. Alors là, on continuez comme ça, on va avoir des surprises. Une salopette. Un bleu de travail. Un obélix. Ouais, bleu de travail. C'est vraiment des dessins de qualité. Hein. Des aisselles. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Des bretelles. Ah, sous les bras. Ah oui, un Marcel. Un tricot de corps. Un haut de corps. C'est nous qui répondons. Tricot de corps. Regarde pas les adversaires. Allez, passe. Des aisselles sous le tricot de corps. On a passé. Un tricot de peau. Un tricot de peau. Mais non, c'est une blague. Ça peut être ça. C'est comment tu fais pour un rond, décidément? Un nez, des cheveux. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah, le nord-sud, une boussole. Ah, une boussole, oui. Les points cardinaux. La boussole, c'est boussole. Bon. Okay. Un carré. Une porte. Oui, une porte. Ah ouais.
Un loquet. C'est magnifique. Une poignée de porte. Merci. Bonne réponse. De rien. Ils sont polis. C'est un... une route. Une vague. Une piste de ski. La ville. Un virage. Sinueux. Virage, vous l'avez dit. Bravo. Bravo. Oula. Oh là, ça va être, alors, ça va être horrible. Flaque. Ça va être horrible. Un flageolet. Une poule. Un coq. Un coquelet. Un poulet. Une caille. Poulet. Un poulet. Ah, si, il est pas mal. Ouais, c'est pas mal à la fin. Un escalier. Un escalier. Une rampe. Monter, descendre les escaliers. Monter les escaliers. C'était un escalator et c'est si bonne réponse. C'est bien joué, Thomas. Non, c'est bien. Restez. On va débriefer un ou deux dessins. Ah, on voudrait bien les œuvres. Bravo. On voudrait bien revoir le double menton. Si, c'est bien, double menton. Isabelle a trouvé tout de suite. Moi, ça me parle. Et alors, Isabelle, le débardeur. Eh oui. Ah, débardeur. Le problème, c'est que c'était pas vraiment sur un instrument. C'était quoi le. Un tricot de corps, et puis. Bah, comme vous, il a des mains bizarres. C'est des mains, c'est des bouquets de fleurs. Mais c'est très dur avec le doigt. Hein. J'aimerais bien vous y voir. Il a des gros doigts. Hein. Il a la croix, mais des gros doigts. Ouais, si, bonne réponse. Bravo, Thomas. Une première, c'est génial. C'est bien. Bravo. Qui vient dessiner chez les rouges. Ah, c'est un peu facile si t'aimes pas. Oui. Pour la première fois. Chère Anne-Sophie, vous avez 2 minutes. Dis-moi faire deviner chez vous la première. Allez, connexion. Hein. Vous êtes connecté? Yes. Top. Une petite fille, des couettes, des nattes. Visage, cheveux, chevelure. Oui. Cheveux. Ah, tout simplement. Ah. En route. Piéton. Le ski, de façon de ski, le surf, le canoë. La luge. La luge. Oui, il est debout dans la luge, le mec. Oui. Non, je passe. On passe. Ok. Prends ton temps. Ouais. Viens s'appliquer. Un canapé, un sofa, un clic-clac. Ok. Ah, vue de derrière. Intéressant. Drapeau. Un cerf-volant. Oui. Bonne réponse. C'est un verbe qu'on cherche maintenant. Très bien. Marcher, avancer. Oui. Excellent. Bravo. Ah. Une couronne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est pas ça. Si. Une fleur. Si. Oui. Ah bon? Une orchidée. Hmm? Non. Du muguet. Du muguet. Oui. Bravo. J'ai reconnu le petit muguet. Ah. C'est fort, hein? C'est la fin de la saison, dis donc. Ah. Un bob. Oui. Bravo. On dirait un casque allemand. Ah. Route. Échelle. Une échelle. Chemin de fer. Un escabeau. Règle. Ah le rail, les rails, oui. Une locomotive. Bonne réponse, rail. Ah. Oh là là. Carton, hein. Pain. Ouais. Une pizza. Niche. Pizza. Ah non, ouais. Ballon. C'est quoi? Il tourne, une toupie. Non, c'est 2 petits bonhommes qui tournent. Ah, tourniquet. Un manège. Ah si, c'est bien. Ah, une grande roue. Oui. Ah, pardon. Moi, mais on revient, les amis. Ah, et il n'en reste plus qu'un. Ah bon, wow. Soleil. Un soleil. Une éclipse de lune. Oui. Oui. Connexion. Mais diable. On vient. On est très fiers de vous. 6 bonnes réponses pour Morgane. C'était la première de Thomas. Ouais. Et c'était bien joué. Ah oui. Le carton plein pour Mélanie, forcément, c'est imbattable. Les 2 points de seulement, je vous reviens. Mélanie, pour l'instant, Morgane, vous n'avez pas de points. Et Mélanie, vous en avez 3. On va se refaire. Là, c'est la manche 3. Mots composés. Attention, je vous donnerai à chaque fois une petite définition. Vous aurez bien sûr les initiales de ces mots composés. Mais ça peut parfois ne pas être les initiales. Parfois, ça peut être 2 autres lettres. Oh ouais, voilà, comme ça. Attention, premier mot composé. Si je vous dis à l'apéro, il tomba. Oui, pour les rouges. Allô, à l'apéro, il tomba. Le cure-dent. Ouais. Bravo. À l'apéro, il tomba pique pour attraper les olives. Le cure-dent. Bravo. Suivant. C'est le moment croissant pour les bleus. Petit déjeuner. Ah oui, très bien, Thomas. Petit déjeuner. Moment croissant. Bravo. On est maintenant sûr. Il nous promène sur les pistes pour les rouges. Oui, il nous promène sur les pistes. Le taxi. Motte.
Taximout ? Non. Le Taximout. Non, c'était Taximout. C'est quoi un Taximout ? Un fameux Taximout qu'on trouve aux Deux Alpes, essentiellement, c'est tout. Ah, si vous ne m'aviez pas interrompu, si vous ne m'aviez pas interrompu... Si on vous avait pas quoi ? Je vous aurais dit, il nous promène sur les pistes africaines. Évidemment. Ah, oui, mais il serait voilà. trop tard. Ça marche moins, et le Taximout. La moutte aurait été brousse. Le fameux Taximout de brousse, voilà. Dernier mot composé, peut-être égalité. Une générale avec du gratin pour les rouges. Attendez, du gratin. Donc, c'est une avant-première. Mais oui. Oh là là En effet, une avant-première, fin de la manche. Parfait, de l'égalité est établie. Total, 3 points pour Morgane et 6 points pour Mélanie. Et tout de suite, on part chanter, c'est la manche 4. On va jouer aux associations. Je vais vous citer des noms de rues, d'avenues, de places. Oh et à vous de retrouver dans la liste affichée la chanson dans laquelle chacun de ces lieux est cité. Très bien. Wow, on va commencer avec l'équipe de Morgane. Voici vos chansons à vous. On va jouer avec Place des Grands Hommes, Rue des Acacias, C'est déjà ça, Nantes, Mariti et Gilbert Carpentier, Baby Alone in Babylon, Nashville ou Belleville, Comme ils disent et Bouge de là. Vous êtes prêtes, tant que vous avez les bonnes réponses, vous gardez la main. Top, c'est parti. Boulevard Elvis. Baby Alone in Babylon. Non. Thomas, Boulevard Elvis. Nashville ou Belleville. Oui. Rue de la Grange au Loup. Nantes. Oui. Boulevard Barbès. Rue des Acacias. Non. Isabelle, Boulevard Elvis. Nashville ou Belleville. Oui. Rue de la Grange au Loup. Nantes. Oui. Boulevard Barbès. Bouge de là. Oui. Rue Soufflot. Place des Grands Hommes. Oui. Ouais. Rue Sarrazate. Rue Sarrazate. Comme ils disent. Oui. Ouais. Rue des Aubépines. Ah putain. Pardon. Ouf. Je ne sais pas. Il faut dire. Rue des Acacias. Oui. Broadway. Baby Alone in Babylon. Morgane. Allez. Boulevard Elvis. Nashville ou Belleville. Oui. Non. Rue de la... Ça fait une bonne réponse. C'est un fiasco. Et bon, voilà. Alors, on a trébuché sur Broadway. Mais oui. Carpentier. Oui, mais c'est Mariti et Gilbert Carpentier. Mais Broadway. Ah oui. Cabaret. Après. Après. Alors, la rue des Acacias, vous avez mis un moment à me la trouver, la rue des Acacias. Parce que c'était rue des Aubépines, c'est Marc Lavoine. Ah oui, Clérimoïne. Je les avais pas du tout. Merci, cher Olivier. Merci, Marc Lavoine. Une bonne réponse à égaler ou à battre. Mélanie, c'est à vous. Bonne chance. Voici vos chansons de Suisse. Il est 5 heures. Les Grands Boulevards, Mise au Point, Lily, Nathalie, La Mort dans la Pinède. Marseille la nuit, c'est qui, ça Rue des Étoiles et la Java de Broadway. Oh, ok. La mort dans la Pinède. Mélanie, top, c'est parti. Place Rouge. Nathalie. Oui. Place Dauphine. Il est 5 heures. Oui. Cour Jus. Lily. Non. Damien, Place Rouge. Nathalie. Oui. Place Dauphine. Il est 5 heures. Oui. Courjus. Courjus, bon, j'en sais rien. La mort dans la Pinède. Non. Anne-Sophie, Place Rouge. Nathalie. Oui. Place Dauphine. Il est 5 heures. Oui. Courjus. Les Grands Boulevards. Non. Mélanie, Place Rouge. Nathalie. Oui. Place Dauphine. Il est 5 heures. Oui. Courjus. Rue des Étoiles. Non. Oh, Damien, oh là là. Sauvez-moi, Place Rouge. Nathalie. Oui. Place Dauphine. Il est 5 heures. Oui. Courjus. Marseille la nuit. Oui. Oh, la 42e. La qui? Ah ben si, c'est la Java de Broadway. Oui, ça y est, ça décolle. Promenade des Anglais. Non. Promenade des Anglais. Ah. Faut répondre. Promenade des Anglais. Faut répondre. Ah. Faut répondre. Faut répondre. Là, vous perdez tout. Bah non. Comment ça? Bah non. Mais si, il y avait plus de 5 secondes. C'était quoi la réponse, Mme Bonnec? C'est dommage. Bah oui. C'est vraiment dommage. Ah, ouais, c'était dommage. La mort dans la Pinède. Mais c'est de qui, ça? C'est Feu Chatterton. Mais ça a l'air super. Je connaissais pas. Pas grave. Alors, pas de bonne réponse pour Mélanie, malheureusement. Une bonne réponse pour Morgane. Les 4 points de cette manche vous reviennent. Morgane, incroyable. Incroyable. Mélanie, vous allez en finale avec 6 points et Morgane, 7 points.
Bravo tous les deux. Ah oui, un petit retournement de situation là. On va voir ce que ça va donner lors de la finale. Merci encore à la merveilleuse Isabelle Vitari, amie de Beyoncé. Merci Thomas Hill. Merci Anne-Sophie Girard. Merci Daniel Thévenot. Merci Sylvie. Et à quant à nous, à tout de suite. Depuis de nombreuses années, MMA s'engage dans la prévention des risques routiers. En 2000, nous avons été le premier assureur à créer un site internet dédié à la prévention routière. Et en 2011, le premier à lancer des applications mobiles gratuites pour réviser le code de la route. Chaque année, des millions de personnes s'informent sur notre site ou visionnent nos vidéos pédagogiques. Nous menons aussi des campagnes de prévention dans les médias ou des opérations sur le terrain pour sensibiliser les automobilistes bien sûr, mais aussi les piétons, les cyclistes, les trottinettistes ou les motards. Notre volonté, c'est de rendre la route plus sûre pour tous. Carte Noire Bio, une sélection des meilleurs grains arabica biologiques pour un café aromatique et plus généreux pour la planète. 1% du chiffre d'affaires de la gamme bio Carte Noire est reversé à des associations environnementales. Carte Noire, intensément vivant. Si vous souffrez de brûlures d'estomac et de digestion difficile, essayez Ganatura. Avec 100% d'ingrédients naturels, la formule triple action de Ganatura crée une barrière protectrice, neutralise l'acidité et prévient les irritations. Ganatura, une formule naturelle pour soulager brûlures d'estomac et digestion difficile. Ceci est un dispositif médical. Vous avez le droit de vouloir une bonne crème dépilatoire, sans l'odeur agressive qui va avec. C'est pour ça que la toute dernière génération de crème dépilatoire Vite Pure est sans odeur d'ammoniaque. Vite fait, bien fait et sans douleur. Vos poils, vos choix, nos produits. Vite. Bon, c'est plus possible, là, regardez. J'ai beau la nettoyer, ça revient toujours. Je peux pas laver les affaires de Théo dans une machine sale comme ça. Regardez, cette saleté qui revient, c'est dû au résidu qui s'accumule au fil des lavages. Rajoutez une dose de Calgon 3 en 1 à chaque lavage. Il empêche les résidus de s'agglomérer, votre lave-linge reste propre, et le linge du petit Théo aussi. Et contre les millions de bactéries qui prolifèrent un peu partout dans votre lave-linge, utilisez Calgon Hygiène Plus à chaque lavage. Le seul anti-calcaire qui élimine 99,9% des bactéries de votre machine. Le jour J est arrivé. On peut à nouveau sortir et voir du monde. Vous savez la tondeuse que vous avez vendue à mon père il y a 5 ans? Un grand type, plutôt sympathique. Et il en était content? Pas de problème, on va regarder ça. Ah, c'est sympa. Il était attaché. Bien vous comprendre, c'est aussi vous offrir les meilleurs prix près de chez vous. Chez Monsieur Bricolage, la tondeuse inventive moteur Honda est à seulement 299 euros. Parce que nos vêtements ne nous servent pas seulement à nous habiller, ils peuvent ramener à la maison toutes sortes de virus et bactéries. Et en dessous de 60 degrés, notre linge n'est pas désinfecté. En ajoutant le désinfectant du linge Lysol à votre lessive, il est scientifiquement prouvé que vous éliminerez des virus et 99,9% des bactéries. Lysol, désinfecté pour protéger. Il y a un temps pour plaire à tout le monde, et celui-ci est révolu. Votre style, il est unique, et pourtant, il évolue tous les jours. Il ne rentre dans aucune case. Et ça tombe bien. Nouveau Taigo, le SUV coupé de Volkswagen. N'en faites qu'à votre style. Découvrez-le à partir de 179 euros par mois. Volkswagen. Hey, insomnie occasionnelle? Pour un lendemain qui vous sourit. Avec Donormil. Médicament réservé à l'adulte contient un antihistaminique. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Ne pas utiliser chez la femme enceinte sans avis médical et ne pas utiliser pendant l'allaitement. Tout le monde a son mot à dire à la suite. On est avec nos deux candidats. Mélanie, notre championne. 3 victoires pour un total de 4900 euros face à elle. Morgane, et Morgane a plus de points que notre championne, c'est donc lui qui a la main. Bonne chance. À vous deux. Morgane, 3 minutes, on commence par la lettre A. C'est parti, top chrono. Spécialiste qui prédit l'avenir en étudiant les planètes. Astrologue. Oui.
Le B, animateur du jeu télévisé District Z Reloaded. Brognard, Denis Brognard. Mélanie le C, synonyme de consistant quand on parle d'un repas. Copieux. Oui. Le D, somme remise par l'Académie Goncourt au lauréat de son prix. 10 euros. Oui. Le E, pièce d'une maison ou place de concert. Une entrée. Morgane, le F, qualifie la prise électrique murale dans laquelle on insère l'affiche d'un appareil. J'allais dire l'affiche, mais... Dans ce cas-là, elle est femelle. Mélanie, le G, rivière associée au nom d'un célèbre pont gallo-romain situé près de Nîmes. Garonne. Gare. Morgane, le H, acteur qui incarne Venom, le super anti-héros de l'univers Marvel. Harry. Vous m'avez oublié une lettre, c'est Hardy. Hardy. Tom Hardy. Mélanie, le I, elle peut être de synthèse, aérienne ou de marque. L'image. Morgane, le L, cousine de la belette qui chasse dans les rivières. La loutre. Oui. Le M, son visage figure sur le logo des Jeux Olympiques de Paris 2024. Marianne. Mais oui. Le N, algue séchée, noire ou verte, très prisée des gourmets japonais. Le napalm. Le nori. N-O-R-I. Mélanie, le O, enfreindre les règles en allant au-delà de ce qui est permis. Outrepasser. Morgane, le P dans la série La Casa des Papels, surnom du cerveau de la bande des braqueurs. Le professeur. Oui. Le R, tournée d'inspection d'un gardien de nuit. Ronde. Oui. Le S sur Facebook, on l'écrit et on le publie sur son propre mur. Sa story. Statue. Mélanie, le T, lac sacré des Incas entre le Pérou et la Bolivie. Tao. Le lac Titicaca. Morgane, le U, véhicule professionnel destiné au transport des marchandises, par exemple. Utilitaire. Oui. Le Y, le tube des Village People qui se danse en formant des lettres avec ses bras. YMCA. Très bien, bravo. Le A, figure de style qui consiste à reprendre le même mot à chaque début de phrase. Allégorie, non. Non, anaphore. Mélanie, le B, veste croisée à boutons dorés portée par les étudiants anglais. Blazer. Oui. Le C, il est au tennis que la patinoire est au hockey sur glace. C'était le cours. Mais malheureusement, Mélanie, vous n'aurez pas eu le temps de revenir au score. C'est Morgane qui est notre nouveau champion avec 14 points. Bon, nous allons nous quitter ici. Vous partez avec un total de 4 900 euros, Mélanie. Et ça n'est pas tout. Regardez. Partez en vacances, découvrir les rivières et les canaux de France avec le Boat, à bord d'un confortable bateau de location sans permis que vous conduirez vous-même. Voici pour vous. Bonne navigation. Merci. Mon cher Morgane, bravo. Vous êtes notre nouveau champion. Il faut croire. Mais je sais, c'est comme pour Miss France, on ne se reprend pas et puis c'est quand même sur nous que ça tombe. Vous avez 1400 euros pour cette première victoire. Ah, que va-t-il se passer la prochaine fois? La réponse au prochain épisode, bien entendu. Et d'ici là, amusez-vous, Nagui vous attend. N'oubliez pas les paroles, c'est maintenant. Au revoir.